VidCon. Outfit à Kelly. Il glow in the dark. Il a des shoes d'enfer. Ouais, on y va. Voilà. On s'en va au food truck pour manger un peu, mais il fait vraiment super chaud puis j'ai pas mis de crème. J'ai complètement oublié aujourd'hui. Bravo! Burrito avec de la guacamole dedans. Bon appétit! Moi, c'est très bon. Mon hot dog. À l'ananas! Shopping et drink avant la dernière présentation de ce soir. Et voici ce que j'ai acheté. J'ai acheté un toutou emoji! Content, content! Et un drink. Really one way to... Honestly, staying true to yourself and being honest and doing whatever you want is the only way to start a YouTube channel, or else like, what's the point, right? I agree. Don't set your standards too high for yourself because no one's perfect, and you know, it's supposed to be fun, and every video is just supposed to be something that you can express yourself through, so. Yeah, I like what Lauren said, I feel like when you start out, it's really easy to, it's really easy to just do what everyone else is doing, but I mean, you can only eat so many jelly beans. Ça, c'est les YouTubers quand ils arrivent sur le stage. Oh my god, so humble! You guys, I love you! I wouldn't be here without you. I thought there would be only 20 people! I suck! Hello! C'est le jour 3 de VidCon! On s'en va à déjeuner, puis après, c'est toute une grosse journée de session. Il va y avoir Grace Helbig, Tyler Oakley encore, puis des sessions d'optimisation, plein de trucs vraiment utiles, puis le fun. C'est tellement un beau mix, là. Puis c'est grand, là. C'est... Des fois, là, je suis comme, il y a quasiment trop d'affaires, on sait pas quoi choisir, quoi aller voir. C'est ça, fait que j'ai mis mon t-shirt « The Internet is my happy place », je l'aime vraiment beaucoup. Puis c'est ça. C'est quand même épuisant physiquement, là. Mes pieds sont morts.
C'est grand, ce site-là, il y a 3 étages. Pour vous donner une idée, les YouTubers qui font les conférences, ils ont des cordes de golf qui passent en coulisses pour les amener d'une salle à l'autre, tellement c'est grand. Voilà. Fait que c'est un petit peu intense physiquement, mais c'est vraiment le fun, puis ça vaut la peine, puis toutes les gens qui ont des ambitions YouTubeuses, là, ou toutes les gens comme moi qui travaillent avec les médias sociaux, les influenceurs, tout ça, devraient vraiment venir l'année prochaine, parce que c'est une des meilleures conférences à laquelle je suis allée. C'est super le fun, mais c'est surtout très, très pertinent et utile. Oh, this new crazy mother... Ellie, je pense qu'elle veut des ballons. Parce qu'il y a une madame là-bas qui fait des ballons. Si. Là. Ellie, c'est quoi tu veux? Je veux Drake. Tu veux quoi? Drake. J'avais perdu mon téléphone, mais je l'ai retrouvé dans les toilettes. Quelqu'un de vraiment awesome l'avait ramassé. Je suis tellement chanceuse. Là, je vais essayer les chaises Panasonic de massage. J'aimerais ça qu'on en ait au bureau. Sense of relief, as if I had now a means of sharing my ideas that was actually tangible. That was something more than just me being a crazy person. And that was like a really liberating feeling for me. On sort du keynote de Creator, puis avec Casey Neistat qui est vraiment hot, qui a fait Beam, une nouvelle app. Ouais. Puis là, le commentaire de Kelly qui est vraiment pertinent, c'est que, genre, c'est fini la télé. Ben, je pense que c'est vraiment ça qu'on a appris ici, c'est vraiment que c'est complètement tous les jeunes, les post-millennials. Ouais. Vont penser que l'industrie de la télé puis le cinéma, c'est comme tellement long maintenant de se rendre là. Le gars, il disait comme, je savais une série télé, ça a pris 3 ans. Mais quand il met quelque chose hier, il y a 100 000 views en... 5 heures. C'est ça. Tu sais, c'est combien de salles de cinéma, ça? Pensez-y! Le plus grand danger à VidCon, c'est de pas se faire trampled par des jeunes qui s'en vont voir... Tyler and Co. Ah. C'est oh vraiment mauvais! Check sa face! C'est mon nouveau ringtone. C'est ma nouvelle Kanye face. Je pense que j'allais me rasseoir sur le fauteuil de la voix puis peser sur le piton répétitivement. C'est comme si l'audition non, reject. Pas, ah non! Fuck! Ah non, j'ai donné un contrat! Oh non! On est à la dernière présentation. C'est fini! C'est la fin, le VidCon, avec encore le background climatisé qui part tout le temps quand je vais filmer. Ouh, ma face est devenue blanche. Ce n'était pas un coup de soleil californien. Là, je peux enlever ma passe. C'est terminé. Bye! J'ai beaucoup apprécié mon expérience. C'était très, très cool. J'aimerais beaucoup revenir à chaque année. C'est le genre de truc, là. Une conférence comme ça, tu reviens chez vous, puis tu as le goût d'avoir 18 projets. Puis au travail, tu as le goût de lancer 50 affaires pour tes clients. C'est super le fun. Puis on a rencontré du monde le fun. Puis j'arrête pas de dire que c'était le fun. J'espère que vous avez eu du fun. Regardez cette vidéo, je me fais du fun.